OK, voilà. Du coup, bonjour Madame Gabrielle Willems. Merci de nous accueillir du coup pour cet entretien. Première question, comment est-ce que ça va du coup aujourd'hui, vu que c'est le confinement? Bonjour, merci à vous de me recevoir. Ça va très bien, il fait beau, c'est une belle journée, donc pourquoi je n'irai pas? OK. Du coup, vous avez subi une blessure au genou au début du mois passé. Savez-vous si c'était simplement une déchirure des ligaments croisés ou y a-t-il eu plus? Et aussi, est-ce que vous êtes déjà fait opérer? Et si oui, est-ce que vous avez déjà pu établir un calendrier avec vos coachs pour un éventuel retour? Oui, c'est simplement une déchirure des croisés. C'est quand même la plus grosse blessure que j'ai eue jusqu'ici. Parce que ça nécessite une opération. Donc, non, je ne me suis pas fait opérer parce que j'aimerais participer au jeu. Et si je me fais opérer maintenant, c'est impossible que je participe. Donc, je me ferai opérer après les jeux, si tout va bien. Le calendrier, c'est faire la rééducation. Ici, je suis à 4 semaines de rééducation. Donc, maintenant, j'ai jusqu'à 6 semaines de rééducation, puis après je commencerai à faire des trucs un peu plus sérieux. Donc ici c'est vraiment de la kiné en statique. On n'a pas encore fait des gros exercices, mais je suis déjà en avance par rapport à ça, donc je suis positive. Quelle a été l'étape la plus compliquée pour l'instant dans votre carrière? Je pense que cette étape-ci, ce sera l'une des plus compliquées, si pas la plus compliquée, parce que voilà, je ne sais pas comment je vais reprendre. Je ne vais sûrement pas reprendre un rythme normal comme avant, tant que je ne me suis pas fait opérer, parce qu'il y a quand même un risque que je me reblesse, vu que mon genou est beaucoup moins stable. Je ne serai pas à 100%, quoi. Donc, je peux être à 100% de mes capacités sans ligament, mais j'aurai quand même un ligament en moins qui là. Continuer la compétition avec des blessures nous ramène au sujet de la santé mentale. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est assez mis en avant dans votre compétition internationale ou au haut niveau? C'est sûr que la santé mentale, c'est hyper important, surtout à ce niveau-là. Je pense encore plus dans les arts martiaux. On en parle beaucoup plus qu'avant, je pense. Il y a clairement une prise de conscience par rapport à ça. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, les athlètes, ils se différencient beaucoup par rapport à leur état d'esprit. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent là-dessus maintenant, dont moi, j'en fais partie. Considéré aujourd'hui comme un des plus grands espoirs du judo belge, quel rituel entamez-vous ou avez-vous l'habitude de faire, ne serait-ce qu'avant d'entamer une compétition ou simplement avant de monter sur le tatami? Ouais, avant la compétition, donc j'ai toujours le même échauffement. Donc, c'est un rituel d'échauffement. Ensuite, je vais me mettre dans ma bulle. Donc, je vais mettre ma veste, je vais mettre ma capuche et je vais écouter un peu de musique. Des fois, je vais marcher un petit peu ou je vais m'allonger, fermer les yeux, visualiser un petit peu les combats, le prochain combat. Et ensuite, quand je dois aller combattre, on m'appelle quelques combats avant. Donc, il faut descendre et on nous contrôle le judogi, donc le kimono. Et à ce moment-là, je fais ma ceinture, j'attache mes cheveux, donc c'est aussi un rituel. Et ensuite, j'ai quelques ancrages vraiment avant de monter sur le tapis. Je check mon coach. Et quand je monte sur le tapis, je fais 2-3 sauts comme ça pour me mettre dans un bon état d'esprit. Voilà. Il y a rien qui se dit en particulier où genre, vous êtes juste là où vous dites je vais la rétamer ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on se parle quand même à soi-même. Il y a un monologue intérieur, mais j'essaye de vraiment me concentrer sur le fait d'être déterminé et de rien lâcher, quoi. Justement, l'année 2008 a été une des années qui a été particulièrement fertile en médailles. Vous avez notamment eu la médaille de bronze à l'AE, du coup, en Hollande, à Varsovie, en Pologne, ou à Cancun, au Mexique. Y a-t-il eu des éléments particuliers qui ont favorisé ces résultats? Et comment est-ce qu'on se sent, justement, quand on enchaîne les médailles?
Oui, ben, c'était ma première année senior et vraiment, je pense que c'est l'insouciance, le fait d'y aller au culot, de rien avoir à perdre, à prouver à personne. Ça m'a vraiment donné des ailes cette année-là, je pense. Malheureusement, je pense que je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le moment. Je prenais ça un peu comme si c'était normal et j'en ai pas vraiment profité. Pas plus que ça, quoi. À l'aube d'une compétition, et ben justement en faisant la transition entre le moment où on est plus jeune et le monde professionnel, à quoi ressemble du coup l'organisation de votre semaine? À combien de séances d'entraînement est-ce que ça tient et de quel type? Et à quoi ressemble votre régime alimentaire parce qu'on se doute qu'il est assez particulier? Oui, les entraînements avant une compétition, c'est réduit parce qu'il faut recharger les batteries mentalement et physiquement. Donc, on passe à un entraînement par jour au lieu de deux ou un, ça dépend des jours. Mais sinon, c'est des entraînements beaucoup moins physiques, du coup, on va faire plus de vitesse vraiment pour laisser le corps se reposer. Et par rapport au régime alimentaire, ben moi j'ai une alimentation vraiment très équilibrée. Et vu que c'est un sport à catégorie de poids, il ne faut pas faire d'excès dans son poids parce que sinon après on va devoir perdre du poids et perdre des capacités physiques. Mais par rapport à ça, j'ai vraiment pas de problème. Je suis assez stable, donc j'ai pas de régime à faire et je trouve que le mot régime, c'est un très vilain mot. Justement, en parlant de poids, vous évoluez du coup dans la catégorie des moins des 70 kilos. Aimeriez-vous concourir à un moment dans votre carrière dans une autre catégorie? Ben non, parce que c'est vraiment la catégorie qui me convient par rapport à mon physique et justement, j'ai vraiment cette stabilité-là, cet équilibre qui est important. Comment êtes-vous d'entrer en contact avec le monde du judo et des arts martiaux? Et à quel moment de votre vie avez-vous décidé que vous feriez de ce sport une carrière? Ouais, j'ai commencé, j'avais 6 ans, plutôt un petit peu active. Je regardais des films à la télé, des combats et je voulais faire du sport de combat. Et donc, mon papa, il avait fait un peu de judo et j'ai commencé le judo. Et ça s'est vraiment fait petit à petit. J'ai fait des petites compétitions provinciales, puis les championnats de Belgique. Et puis, je suis entrée dans la fédération tout doucement et je suis partie à l'étranger. J'ai fait quelques petites médailles par-ci par-là, mais c'est vraiment venu progressivement jusqu'à ce que je décroche un contrat avec l'ADEPS il y a 2 ans et demi. Voilà, je la remercie pour la confiance d'ailleurs par rapport à ça. Justement, quelles ont été ces personnes qui vous ont inspiré au niveau des arts martiaux? Et à quelle fréquence vous regardez du coup des films de combat ou, et aussi, est-ce que vous regardez des mangas éventuellement? Oui, alors je regarde pas de manga. Ça m'a jamais vraiment attirée. Quand j'étais plus petite, ouais, je regardais un peu Dragon Ball, etc. Mais voilà, par rapport à ça, j'ai pas eu vraiment aussi une grosse culture du judo. Chez moi, j'avais pas la télévision ni Internet quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai pas été plongée là-dedans comme beaucoup d'athlètes, j'ai l'impression. Du coup, ça se ressent que les autres athlètes ont été plongés dedans. Bah, j'ai l'impression que eux, depuis leur plus petite enfance, ils rêvent que de JO et tout ça, alors que moi, ça s'est fait vraiment naturellement, petit à petit. C'est juste une approche différente. Je ne dis pas l'une est meilleure que l'autre, c'est juste comme ça. OK. Avez-vous une ambition particulière de vous tourner à un moment dans votre carrière dans une autre discipline, telle que le jiu-jitsu brésilien, où enfin, on pense directement que ce soit la transition la plus logique? Non, même si j'aime beaucoup le newaza, etc., je ne ferai probablement pas de. Il faut jamais dire jamais, mais ça m'étonnerait que je me tourne vers un autre sport. Quelles sont les différences les plus notables entre le niveau junior et senior? Voilà, ben tout, vraiment. Physiquement, tactiquement, techniquement, c'est un monde de différence. C'est presque pas le même sport, non, j'exagère, mais le niveau n'a rien à voir.
Pourtant, justement, comme vous l'avez dit, votre première année, vous avez réussi à enchaîner les médailles. Qu'est-ce qui vous a aidé à passer ce palier si facilement? Ben, le fait déjà de faire des compétitions en étant junior, j'en avais déjà fait quelques-unes plus accessibles, donc pas des grands prix, etc. En junior, j'ai fait des open et j'ai réussi à décrocher des médailles déjà en junior, donc dans des compétitions seniors. Et donc, c'était quand même, ça a donné une certaine confiance en soi, se dire qu'on est capable et vraiment le fait d'y aller. Insouciante et sans avoir rien à prouver, pour de rien. C'est vraiment ça qui m'aide ou qui me bloque dans l'autre sens si j'ai pas ça. Et aujourd'hui, du coup, comment est-ce que, quelles choses avez-vous mis en place justement dans votre travail de préparation pour rester au plus haut niveau? Par rapport au Que ce mental, je soit à la préparation de la compétition, aux préparations sportives ou ne serait-ce que l'approche du combat? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, j'essaie de me concentrer sur le fait d'être déterminée et de rien lâcher. Après, j'essaye de m'améliorer à chaque compétition. Je fais tous mes entraînements à fond, donc j'ai vraiment pas de regrets ou à me reprocher quelque chose par rapport à ça. Donc vraiment, je donne le maximum et puis voilà, c'est comme ça, essayer d'être un peu fataliste par rapport à ça. Le physique des athlètes est souvent mis en avant. Du coup, on se demandait à combien est-ce que vous squattez? Mais au maximum, je ne saurais pas dire parce qu'on fait rarement des squats ou des poids maximum, donc des ARM comme on dit, mais surtout parce que moi j'ai un peu peur de me blesser quand je fais des exercices comme ça. Mais franchement, musculation, je ne suis pas super forte, quoi. Enfin, ce n'est pas mon sport, je le fais vraiment en complément du judo, donc je sais pas, je dirais si je fais des séries, peut-être je vais prendre 100 kilos en série de 8, je sais pas. Ok, du coup, j'imagine pas beaucoup de développé couché non plus. Si, je le fais, mais rarement au poids maximum, quoi. Ok, Je sur dois quels être en aspects de votre 80. physique, justement, votre entraîneur, du coup, met un point d'orgue? Est-ce plutôt au niveau des jambes que ça se travaille le plus ou au niveau du corps? Partout, le judo c'est vraiment super complet. Il faut être tonique partout, donc ça a beaucoup de vitesse et force. En fait, en préparation physique, on enchaîne vraiment ça. Donc, on fait des blocs force et puis des blocs vitesse pour pas perdre la vitesse, pour pas perdre la force. C'est comme ça que, après, moi je suis pas préparateur physique, donc voilà. Votre taille est souvent un élément qui est mis en avant dans les médias ou même quand on vous regarde à la télé. Comment est-ce que votre allonge vous permet de prendre l'avantage sur votre adversaire? Ah ben, du coup, comme j'ai une grande allonge, je peux la tenir à distance plus facilement. Après, c'est une arme à double tranchant parce que du coup, je suis moins stable, je suis plus fragile physiquement. Ben, je pense que c'est ça qui est bien au judo. Il y a tous les gabarits et tout le monde peut être fort s'il arrive à utiliser ses armes au mieux. Parce que par exemple, quelqu'un de plus petit sera beaucoup plus rapide ou il a le centre de gravité beaucoup plus bas. Je trouve que c'est vraiment, vraiment beau dans ce sport qu'il y ait cet aspect-là. Et ouais, voilà, vraiment ceux qui arrivent à exploiter au maximum leur capacité, c'est vraiment eux qui sont les plus performants selon moi. Justement, vu la différence de gabarit que vous avez, avez-vous l'habitude d'analyser du coup vos consoeurs judokates en fonction de leur faiblesse comme leur qualité? Oui, avant, je ne le faisais pas, mais maintenant, c'est vrai qu'à ce niveau-ci, même 1%, il faut le prendre. Donc, ça m'arrive de regarder des championnats, même si je le fais, de regarder après des vidéos, de même de moi-même, pour savoir où je peux m'améliorer. Et ouais, donc ça, c'est plus de la tactique, vraiment. Il faut le faire, ouais, c'est sûr, à ce niveau-là, il faut. Quel est l'élément que vous préférez le plus dans votre discipline et dans les tournois aussi? L'élément, Genre un je pense aspect dans le que judo qui ouais, vous... le respect, c'est un élément hyper important au judo. On peut vraiment s'arracher la tête sur le tapis et puis après, quand le combat est fini, c'est respect. Voilà, merci vraiment pour le combat, quoi. À quoi se joue une victoire, du coup, selon vous?
Ben ouais, je pense que c'est beaucoup dans la détermination. Celui qui vraiment qui veut le plus gagner. Ouais, je pense que ça joue énormément dans la tête à ce niveau-là. Qu'est-ce qui sépare le champion des simples prétendants qui pourtant montrent, du moins dans leur frustration, beaucoup de motivation et d'hargne? Ben oui, après, des fois, on veut tellement quelque chose que on se bloque parce qu'on a peut-être peur de ne pas l'avoir, pas réussir, etc. Donc, c'est aussi de la détermination, mais il faut gérer aussi ce côté-là, peur. Donc, ça crée des blocages. La peur, c'est vraiment, ça crée vraiment des blocages au niveau du sport. Donc, je pense que au judo, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Voilà, donc il y a sûrement des favoris à chaque fois, mais tout peut arriver vraiment. Qu'essayez-vous de tirer de vos défaites? S'il y a un enseignement ou alors, enfin, si ça se trouve, vous en foutez, vous passez directement à la prochaine compétition. Non, j'essaie chaque fois de m'améliorer, évidemment, de plus faire les mêmes erreurs. Il n'y a pas un élément, genre, est-ce que vous vous souvenez par exemple de votre dernière défaite? L'élément, et ça vous retravaille par exemple la nuit, par exemple, enfin dans d'autres compétitions sportives ou même dans les arts martiaux, on entend souvent des athlètes dire que parfois ça les hante et qu'ils savent qu'ils n'auraient pas dû faire ce mouvement-là ou quoi. Bah là, ça me hante un peu, oui, parce que je me suis pas croisée, donc, c'est clairement que ça me hante, mais si c'est aussi la faute à pas de chance, en gros. Donc, la fille, je la connais très bien, j'ai fait plusieurs fois avec elle et elle m'a sorti un mouvement qu'elle a jamais fait. Et mon genou, il a craqué. Donc, par rapport à ça, il y a peu de choses à retenir, à part peut-être que maintenant, elle fait ce mouvement-là. Voilà. Le monde du judo belge, du coup, a sorti un grand nombre de talents, dont on citera Mathias Kaas, Georges Verstraeken, Charline Van Niet, entre autres. Quelle ambiance y a-t-il quand vous entraînez, du coup, au stage d'entraînement? Oui, quelle ambiance y a-t-il et comment ça se passe au niveau du groupe là, quand vous vous retrouvez? Ouais, je tiens à dire aussi qu'il y a Thomas Nikiforov qui vient de faire Champion Oui, d'Europe. un résultat. Ouais, un gros Donc résultat. voilà, et surtout que lui, il a enchaîné les croisés, les deux épaules, il me semble. Donc, il a eu vraiment sa dose de blessure l'année passée et il est revenu au top. Donc, c'est vraiment une grande inspiration pour moi, pour le moment surtout. Et donc, vraiment, il y a une super bonne ambiance. Après, il y a quand même deux fédérations en Belgique. Donc, on n'est pas. Toujours pas souvent avec les Flamands. Et sinon, il y a une super bonne ambiance, vraiment. Et c'est super important, je pense, pour la cohésion de groupe, pour la motivation même, lors des entraînements, etc. Et même quand je vois l'un de mes coéquipiers qui gagne une compétition, je partage vraiment sa victoire avec lui. Moi, ça m'inspire vraiment. Vous communiquez souvent, même en dehors des compétitions. Oui. On est toujours en contact, on a des groupes. Dernière question. Quelles sont du coup vos ambitions? Parce que vous êtes au final qu'au début de votre carrière, mais qu'est-ce que vous attendez si vous attendez quelque chose? Oui, voilà. Alors, mes objectifs à court terme, c'est retaper mon genou. Clairement, à moyen terme, ce sera les Jeux. Et à long terme, vraiment, moi, je pense que, comme vous l'avez dit, je suis jeune. Dans ma tête, je viens à peine de commencer. Donc, voilà, on verra bien. C'est vraiment le début pour moi.